si on se sent comment? C'est franchement pas mal. Merci pour papa de lui. 45 en sortie. C'est propre. Et voilà pourquoi on a fait tout ça, parce que c'est l'idée, une petite pinoche pour le vite-vite au cas où ça peut dépanner. Je trie la pharmacie qu'on a mis à jour. Je fais des petites étiquettes pour marquer sur chaque boîte de médicaments à quoi ça sert. T'es de nouveau sur le chantier? Ah, tu sais. On a trouvé ces belles barres en inox à côté des poubelles du chantier. C'est plein de trésors. Et du coup, on va se faire une petite capote de descente si on est doué. Suspense. Antoine reprend du service de marteau. Alors, t'es heureux toi? Bon, ouais. Finalement, toutes les vis sont foirées et c'est pas aussi facile qu'on y attendait. Ouais, une mini capote de descente. Non, juste une capote de descente. Ouais, on a finalement changé d'avis, on va pas, parce que après ça aurait été le bazar avec le poêle à bois, le machin. Donc finalement, on fait juste un truc pour couvrir la descente. Et ça permettra que si ça pleut, au moins on peut rester à l'intérieur et on a juste besoin de. Oh, c'est la tête. J'espère qu'elle tiendra mieux que ça. Et c'est tout bon, on retourne au lit. Bon, là on n'a pas trop ce problème ici. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et ça va être un truc qui va ressembler à ça. Ça semble pas mal hein. Ça semble pas si pire, c'est pas si mieux que ce que je pensais. C'est pas du grand métier artistique hein, mais... Ça va encore, c'est pas... Il y a moyen que ça fasse le taf. Comme une impression de déjà vu. Ça prend forme. On a cassé la palle du régulateur d'allure. Du coup, on l'a réparé et on essaye de l'imperméabiliser maintenant. Sans tâcher trop le bateau. Voilà notre petite capote en chantier avec des petits boutons de pression ici. C'est pas la plus jolie, mais c'est gratuit. Et donc là, elle vient pas jusqu'à la fin de la descente. Donc on a trouvé ça, les supports de garde-boue du vélo d'Antoine. C'est pas si pire, mais le problème c'est que pour pouvoir la plier et que les arceaux passent derrière, et ben on n'a pas pu faire avancer l'arceau là plus devant. Du coup on a trouvé ça pour faire un petit avancement, mais le problème c'est que du coup le tissu il tombe, donc il faudrait qu'on trouve une autre barre de fer pour faire un peu ça quoi, pour que ça fasse un bel arrondi. Il faut maintenant qu'on trouve du tissu transparent, la vitre, pour pouvoir mettre une vitre là, peut-être une en haut, peut-être sur les côtés, ça dépend ce qu'on trouve. Et comme ça, ça permet de tester la capote de descente et puis voir si c'est vraiment de la bombe. On investira dans un tissu Sunbrella pour en faire une belle. Je prépare un petit smoothie chocolat, beurre de cacahuète, banane. Avec le super ustensile de cadeau de la maman de Justine. Et maintenant qu'on a une belle trinquette sur un rouleur,
On n'a pas fait la bande anti-UV parce que ça coûte vraiment cher et puis notre trinquette elle a quand même vécu, donc on trouvait ça un peu con de mettre 200 balles juste pour la bande anti-UV. Mais un gentil commentaire nous a conseillé de faire juste une petite chaussette à enfiler quand on s'en sert pas, et comme ça quand on navigue on peut l'enlever, comme ça on peut utiliser la trinquette, et quand on navigue pas, hop, on la protège du soleil. Et on va faire ça avec notre taux, parce qu'on a ce taux là qu'on se sert beaucoup. On avait un autre petit taux pour mettre sur l'avant mais on s'en est jamais servi, du coup on va utiliser le tissu du taux, ça va le raccourcir un peu. Le gros avantage c'est que ça va nous faire gagner de la place pour le rangement dans le bateau. Pourquoi? On a acheté que des bonnes choses pour mettre dans les fonds de cale. On a acheté quoi? Des sardines. C'est dommage, il n'y a plus de maquereau à la moutarde au Portugal. T'as acheté quoi d'autre? Des pêches, de la feijoada, de la salade de fruits. Bon. Pourquoi tu marques au marqueur? T'es une artiste? Pour enlever les papiers, parce que ça ramène des bêtes. On vous dit on mange pas ces conneries normalement, mais là c'est en mode extrême survie. On est où en grande traversée pour l'instant? Au chantier. Ouais, vivement qu'on s'enlève de ce chantier parce que là, il fait au moins 1000 degrés dans ton bateau. Faux, Jojo, raconte pas des âneries. Bon, bah là je couds le tissu transparent pour faire les ouvertures. On a acheté de la nappe transparente. C'est le même tissu qui est utilisé pour faire les taux, sauf que c'est plus fin. Donc voilà, comme on est en phase test, on essaye. Tu prends ton car? Ouais. Et là, capote. Voilà. Bon, écoutez, hein, ça fait le taf. Les coutures sont bien pourries. La leçon que j'en ai tirée, ne jamais coudre de la bâche. Mais bon, ça a quand même... Ça a de la gueule, ça va. C'est reparti pour un tour de rangement. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Je range les vélos parce qu'on s'en va. On espère que demain tout ira bien. Et que ça fera pas de surprise à la remise à l'eau parce qu'on n'aime plus les surprises. C'est officiel, l'ADM est toute prête à aller à l'eau. De nouveau dans l'eau. Ça va, ça a l'air de flotter cette fois-ci. Ouais, la dernière fois c'était pareil, ça flottait au début. Hein. On attend de voir maintenant. En tout cas, on a eu de la chance. Il y a lui, hein. La météo était bonne. Il hein. Y a pétole. On va quand même à 4 nœuds. On va 3 nœuds vite. Tout à l'heure c'était 4 nœuds 3. Et Papito fait bien le taf, le safran a l'air de faire le taf pour l'instant. Ah c'est vrai. Eh oui c'est vrai, on avait compensé le safran. On avait compensé le safran, enfin voilà, on a fait quand même pas mal de bazar. Et là-bas les belles falaises de la Garde. Quand les chats sont pas là, les souris dansent. Petit nid d'abeilles tranquille. Ou d'abeilles ou de je sais pas quoi. Vas-y, reprends les écoutes. Bah ouais mais c'est dur. Reprends celle de gauche. Bloque celle de droite, reprends celle de gauche. Attends, mais surtout, fais gaffe mais à ton... Ah, ça bloque, c'est de là-bas. Mais fais gaffe à ton cap. Ah oui. Bon, vas-y, attends, j'affale. Non, non, non.
Mais non, mais t'y arrives pas là. Non, mais attends. Non, mais là, il allait passer dans l'eau, j'ai vu. Mais fais gaffe au cap. Hein. Bah là, c'est bon, du coup, j'ai moins intérêt. Ok, ça. Juju à la barre sous ce pied. Ça va? Bah ouais, mais bon. Bon, on le met que très rarement, mais je sais pas ce qu'il nous a pris. Là, on est à la butte de pétale, hein. Ouais, il est gonflé quand même. Ouais. Je sais pas ce qu'il nous a pris, on a voulu faire un test. Voilà. À la découverte d'un nouvel endroit, j'ai nommé Alvor. Et voilà comment s'est passée la remise à l'eau de l'ADM. Tout va bien et ça fait plaisir. Le bateau n'a jamais été aussi beau.